La comédie est souvent une histoire de famille. À 24 ans, Benjamin Baffy suit les traces de son père, Laurent Baffy, en s'illustrant au théâtre. À partir du vendredi 29 novembre, le jeune homme sera à l'affiche de la pièce Une fille pour deux, qu'il a réalisée avec Jérémy Duval. En parallèle, c'est dans la seconde saison de la série Balthazar que les téléspectateurs peuvent le retrouver. Benjamin Baffy a débuté sa carrière à l'âge de 6 ans. En 2001, il est apparu aux côtés de son célèbre papa dans la pièce Sexe, Magouille et Culture Générale, puis dans le long-métrage Les Clés de Bagnole, dont il garde un souvenir hyper drôle, c'était une grosse récréation, se souvient-il dans les colonnes d'Ici Paris. La dernière fois que Laurent Baffy et son fils ont joué ensemble remonte à 2005 dans la pièce de théâtre Toc Toc, présentée au théâtre du Palais Royal. Une vraie partie de plaisir pour le duo. Pourtant, Benjamin Baffy ne souhaite plus collaborer avec son père à l'avenir. En fait, je ne veux plus travailler avec lui, pas parce que je n'ai pas aimé, au contraire, c'était génial, mais j'ai fait deux pièces avec lui, ça suffit. On se connaît par cœur. Il me dit, fais ton truc. C'est plus constructif d'aller voir ailleurs, mais il me donne toujours des conseils, explique le jeune homme. Quoi qu'il arrive, père et fils restent fusionnels.